Ok. On a Dawson en ville. Ok, mais c'est quoi tous ces messages? Ok. Donc là, c'est la mafia. Hein. C'est littéralement la mafia. Ok. Mon contact est en manque d'armes à feu, mais il a pas mal d'armes blanches ce soir. Machette, club de golf, point américain. Ok. Alors, on va récupérer notre voiture. À savoir que normalement, sur moi, ça, ça craint par contre, inventaire, j'ai les pochons de weed. Ok, j'ai les pochons de weed. Si jamais je me fais cramer, je dis que c'était pour mon boulot de journaliste. Mais attends, c'est Dawson. Dawson. Ouais, Dawson, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ouais, j'ai eu des petits soucis à la gorge récemment, mais bon, on est de retour. Au sujet de la weed, t'es sûr qu'on n'a pas été suivi? Ouais, je suis sûr, mais là, j'ai réussi à récupérer un peu de sous, je suis en train de faire le transfert, là. Ok, t'as toujours les 5 pochons de weed? J'ai toujours les 5, plus le boîtier, t'inquiète. Très bien. Écoute, je vais faire attention. Je te mets au courant, j'en ai vendu un. Combien alors les prix à peu près? Je l'ai vendu à 750$. Mais c'est énorme! Tu les as vendus où? À un commerçant ou alors à un habitant? Vendu à un habitant pour des infos. Et c'était quoi ces infos? Le traitement de la coke. Ok. Par contre, j'ai un petit souci. Dis-moi. Non, va falloir que je passe à la banque. J'ai 0$. Oublie pas qu'on est suivi et qu'ils prennent en otage pour un peu d'argent. Ouais, t'inquiète. Je vais déposer mes sous aussi. Vas-y, je te laisse prendre ton véhicule. Ok, on a croisé Dawson, c'est plutôt pas trop mal. On va récupérer notre véhicule. Bon, non, attendez, faut que je sorte de mon véhicule. Est-ce que il a été vidé? Ok, c'est bon, cette fois-ci ça marche, il n'y a plus de bug. Bon, j'ai 5 pochons de weed que je ne devrais pas avoir. Donc, on va essayer de les emmener un peu loin. On va les emmener ici, hein. Je pense que ça me paraît pas mal. Hein. On va essayer de les cacher. Ok, en attendant, je vais appeler Jameson. Je vais voir un petit peu ce qu'il compte faire aujourd'hui. Oui, allô? Oui, Jameson, je viens d'arriver en ville. Ouais, moi aussi, ça va et toi? Ouais, je dois régler une petite affaire vite fait au sujet d'un petit souci. Ouais. T'as prévu quoi d'y voir? Tu vas couvrir une affaire? T'es sur quelque chose ou pas? Bah là, il faut que je finisse mes recrutements pour mon journal. Ouais. Et là, je suis à Parkinson, il est parti faire un peu de shopping. Ouais, par contre, depuis, t'as pris des médicaments très efficaces pour la gorge. Tu devrais l'adoucir un peu, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, ok. Parce que Parkinson m'a dit que ma voix était bien, donc... Ouais, elle est très bien, ta voix. Peut-être un peu trop bien. Ok, j'ai fait mes vocalises. Ouais, c'est, je comprends. À tout à l'heure. Tout à l'heure, ça marche. En fait, je vais poser 5 pochons en espérant que personne vienne les chercher. Ah, il faudrait un modérateur. Dieu, est-ce que tu es là, Dieu? S'il te plaît, contacte-moi, fais-moi des signes. Bon, impossible que si quelqu'un est... Oh, Dieu, c'est toi! Dieu, j'ai lâché suite à divers soucis, hein, bien évidemment, tu l'as vu. Oh, merci, Dieu. Bonne journée, ouais, Dieu. Y a pas de soucis. Allez, au revoir, hein, petit enfant. Ah là là, ouais, c'est Dieu. Dieu nous a parlé, il est incroyable. Ok, donc on a rendu la weed qui était buggée, hein. J'avais réussi à en sortir 5 pochons en trop. Direction le Comico calmement. Hop, direction le Comico. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. N'oubliez pas que les vendeurs de drogue sortent que la nuit, d'accord? Donc va falloir faire gaffe. Bicarfou, comme on dit. Oh, mon salaire a monté. 160. N'oubliez pas que je suis payé au black, faut que personne ne le sache. Ok, voilà ce qu'on va faire. On laisse la voiture ici. Elle est fermée. Direction le commissariat. Ok. Ok. Il y a la mafia qui est intéressante, mais elle n'est pas encore là. Faut qu'on se voit. Ok. Ok, Dawson a des choses à nous dire. Je pense que je vais le prendre. Très bien. Est-ce qu'il y a du monde au commissariat? Yes. Eh, bonjour! Je sais pas s'il y a du monde. Le commissariat est ouvert. Je sais pas du tout s'il est là.
très très présent. Ok. Il est pas là. Ok, on va aller à l'Innocent Club. Ok, donc on va aller à l'Innocent Club juste avant. On va voir combien j'ai dans mon compte. 7000. On va voir ce qu'il y a niveau, niveau Gova, je pense. Hein. Il serait temps de commencer à évoluer. Oh putain, il y a la mafia. Aïe, 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 aïe. Il va vraiment falloir faire attention à eux. On va voir au concessionnaire du Def. Et ensuite, on ira à l'Innocent Club. On a encore un petit peu le temps. Je vous avoue qu'eux, ils me font un petit peu stresser. Eux, c'est les gros poissons. C'est-à-dire qu'ils ont été très souvent sur le serveur. Ils ont les contacts, ils ont l'argent, ils ont des armes. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, je vais éviter de faire le malin. Hop, la handicapée, c'est pas grave. Je dirais qu'il y avait Loulou dans la voiture. On a quoi d'intéressant? Occasion, on n'a rien. Compact. On peut avoir la Rhapsody si on veut. On peut avoir la Rhapsody. Ça fait vraiment vieille voiture. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Coupé, on a quoi? Coupé, ça commence un peu plus cher. C'est dans... Pas mal, ça! Regina. Alors ça, c'est quand tu pars au bled. Hein. Typical bledard. C'est quoi, ça? Trop bon. Damn. Ah, c'est celle qu'a acheté Bloody. 5008. Je pourrais l'avoir. Elle est pas mal, hein. Petite berling. Toi ouvrant. Elle est pas mal du tout. Ok, il y a Chorizo en ville. Attends. Chorizo, je vais dire... ok, j'ai une idée pour Chorizo. Oh là, désolé, ces temps-ci, c'est la merde en ville. Du mal à être présent avec tous les problèmes administratifs qu'il rencontre. Du coup, je suis de passage, tu as des nouvelles. De mon côté, je commence à m'infiltrer dans un nouveau gang. Ok. Ok. 75-28. Attends, c'est le numéro de qui, ça? Attends, il se passe trop de trucs, les gars, là. Innocent Club. Allez, tout le monde commence à avoir un boulot. Il m'a donné, il me lâche trop de numéros. Il me lâche des numéros. Pif, le gars, là, de la mafia, là. Je sais pas qui c'est. Il a dit, prenez-en note. J'espère que Dawson n'y a rien foutu. Ça commence à m'inquiéter, cette histoire. Les gars, réellement, c'est à l'heure actuelle, je pense, les plus dangereux. C'est eux qui contrôlent les points illégaux. Si on a des problèmes avec eux, on a des problèmes avec... non, c'est trop problématique. N'oubliez pas notre objectif, hein. C'est devenir les boss de cette putain de ville. Là, ça commence à être dangereux. Est-ce que t'as prévenu les autres? Est-ce qu'ils vont venir à 45? Ouais, ils arrivent à 45. Les gars, j'ai un problème. On va. Oh, ouais. Belle veste, Dawson. Je vois que ça commence à investir du très très lourd, ouais, ici. T'as vu un peu? J'ai un petit souci. La mafia commence à me donner un nombre de numéros. Je sais plus où donner de la tête. T'as parlé avec eux récemment? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas reparlé avec eux depuis la fois où ils m'ont filé les sous et les pochons. Ok, 75-28, ça te dit quelque chose, le numéro? Non. Moi, celui à qui j'ai parlé, il finit par 60-95. J'ai le traitement de weed. Ok. Tu te souviens de Despacito? Ouais. Il aurait apparemment le traitement de weed de la ville. Il va nous en parler demain. T'as prévenu Parkinson, okay. T'as prévu Parkinson et Jameson? Ouais, ils sont censés arriver. Ok. Mais justement, il faut que je vous parle, donc on ira faire un tour dans ma caisse, histoire qu'on se fasse pas surprendre. Va falloir que je parle au gars, il me donne trop de numéros, je comprends pas. Ils sont à la fourrière, ils arrivent. Je pense qu'il va falloir qu'on passe chercher à prendre l'argent, parce qu'on va aller faire un tour au magasin de masques. Au magasin de masques, tu peux m'en dire un peu plus avant qu'ils arrivent? Ouais. En gros, dans cette ville, si tu veux faire des actions en étant incognito, il faut que tu portes un masque. Et il y a un magasin de masques. Ah, ok. Donc, faut pas que je sois étonné si je vois des mecs arriver avec des masques de carnaval. C'est ça, exact. Mais normalement, si tu portes ton masque en public, les flics peuvent te mettre une amende. Donc, en gros, le masque, il faut que tu le gardes anonyme, quoi. Tu l'utilises seulement quand tu veux faire des choses et que personne, et tu veux que personne le sache. Ok, je donne rendez-vous à Chorizo demain. Moi, je te le dis. J'ai essayé de rentrer en contact avec Mo. Je pense qu'il est pas dans la ville ce soir. Je lui donne son pochetard de weed et en échange, il me donnera l'information sur le traitement de la cocaïne. Ok. Chorizo, il a des infos sur le traitement de la weed. Ça pourrait être intéressant. Chorizo, on peut lui faire confiance? Ouais, et puis il va nous donner les infos gratuitement. Il est dans la poche, le petit Chorizo, depuis qu'il a débarqué en ville. T'inquiète pas, on s'est croisé par chance. Il va nous être utile, ce petit bonhomme. Donc j'irai lui parler demain. Est-ce que t'as une idée du prix du pochon, à peu près? Franchement, j'en ai aucune idée. Faudrait qu'on se mette à la recherche des points aussi. La recherche des points? Justement, j'ai des
nouvelles au sujet des points de traitement. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la mafia. Elle commence à me donner énormément de numéros et elle veut beaucoup de choses à notre sujet. Va falloir que tu recollabores avec eux, mais va falloir aussi que tu fasses très attention. T'as des nouvelles depuis que t'as, okay. t'as fait pour eux ? Non, non, j'ai depuis que je t'ai mis sur le projet des 2000 balles, ils t'ont bien payé en plus non. de la weed ? Bah, ils m'ont payé 2000 balles plus, comme je t'ai donné, 10 pochons, donc on en a 5 chacun. Ok. Enfin, et 4, t'as une idée de la valeur du pochon ? Bah non, franchement, c'est ça le problème. C'est qu'il faut chercher le point de vente. Ouais, et encore, même... on a encore un autre problème, c'est que on doit devoir utiliser l'entreprise de James Bond, de Jameson pour j'ai des l'argent. Infos, j'ai des infos pour les points de vente. J'ai essayez d'appeler Chorizo, bouge pas. Vas-y. Il s'avère que les points de vente, c'est que la nuit, apparemment. Tu te doutes bien que les gens vont pas acheter en plein jour. T'es sûr, alors, t'es sûr de ça? T'es là, Abrico? Si. Ok. D'Ivoire, tu connais un ou deux points de vente pour la weed ou pas? Non, là, j'ai que le... J'ai pu avoir le traitement, c'est tout. Les récoltes, les... Ouais, c'est déjà une étape sur trois, oh, mais les ventes et les récoltes, non. J'ai rien du tout. Narvalo, j'ai peur qu'on soit sur écoute. Fais attention, on n'en dit pas trop. On se donne rendez-vous demain à 22h, tu seras là? Je vais essayer, normalement, ouais. S'il y a un contre-temps, je te préviens, de toute façon. Très bien, tu m'enverras un SMS, notre coco. Passe une bonne ouais, soirée. Ouais, ça marche. Toi aussi, bonne soirée. Ciao. Il est tellement mignon. Il est tellement mignon. Il est trop mignon. Dawson, t'es où? Ah, fais pas le con, putain. Je t'ai dit d'arrêter de monter sur les toits. Ça arrive, Dawson. Je prenais un bon point de... d'observation. Montez, les gars. Ouais, bonsoir, messieurs. Quel plaisir de vous revoir aujourd'hui. Quelle belle journée. Vous allez bien? Effectivement. Ça va bien. Vous allez bien? Ah, écoutez, ça va plutôt ça va pas trop bien, mal. Toi. Jameson, je t'enverrai un SMS tout à l'heure, tu le liras. Vous avez pas été suivi, les gars? Non, justement, j'essaie de voir. Bon, les gars, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, on va aller au magasin de masques. Il faut que chacun de nous s'achète un masque, ok? On en a pour combien avec ces conneries là? Où... Je sais pas, justement, il faut qu'on aille voir tous ensemble. Ces masques nous servira à garder notre anonymat au cas où on ferait des opérations, ok? Qu'est-ce que t'entends par opération? Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, que ce soit pour vendre de la drogue, pour aller voir quelqu'un pour l'intimider, n'importe quoi. Ça nous permet d'être... Oh, reste avec nous, Dawson, putain, mais t'es con, tu nous as fait peur. C'est mal, ça. Mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi t'as sauté de ta propre caisse, Dawson? Ma voiture est bloquée. Bah ouais. T'as foncé dans le mur. Poussez-vous, les gars. Putain, j'en ai marre. Là, Parkinson, tu ouais, veux que je te masse un peu mal, le dos, hein. Ouais, ça fait mal, hein. Vas-y, hein. Ouais, tu vas y arriver, Dawson. Elle est un peu cassée là. Elle est en très mauvais état, faut que je la ramène. On va appeler un mécano là. On ira plus tard. Tu la ramèneras pas là. Mais t'es votre ceinture, Dawson, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ta ceinture, voyons. T'inquiète pas, je vais la ramener. Tu voulais prendre l'air, Dawson? Allez, emmène-nous au vendeur de masques. Le moteur s'arrête toutes les 5 minutes, hein. Mais ça, c'est pas de ma faute, ça. Il faut que t'appelles le garage. Essaye d'appeler le garagiste. Allez, Dawson, attends, j'appelle. Dawson, mais tu vois bien que la caisse est morte. T'appelles le garagiste, bordel. Jameson, tu peux nous raconter ce que tu vas faire juste après? Moi, j'ai 3 entretiens d'embauche à faire. Ok, et toi, Parkinson? Maintenant, là, ce soir? Ouais, je prendrai mon service juste après. Très bien. Moi, après, je vais appeler la mafia. Ils ont beaucoup de choses à me dire et ça craint. J'ai peur qu'ils m'annoncent quelque chose de terrible. Si on fait de l'argent illégal, il faudrait une entreprise pour blanchir. Je sais pas si ton entreprise est peu, Jameson. Moyen. Ah, c'est bon, c'est lui? Non, monsieur, c'est moi le propriétaire de cette voiture. On a eu un petit accident, est-ce que vous pourriez vous en occuper? J'ai un petit souci de dépanneuse, donc je ne pourrais pas le réparer ici. Est-ce que vous pouvez juste la réparer un petit peu pour que je puisse la ramener dans mon parking, au pire? Là, malheureusement, vous allez voir que je peux faire ça. Je la démarre et c'est... Mais... Ah, allez-y, c'est un problème de joint de culasse. C'est la tête de Delco, ça. Ah, il y a possibilité, voir les bougies, je sais pas. Ah, il y a même la porte qui est détachée, dis donc. La porte, c'est pas ouais, grave. Y a la portière a disparu. Ah, je pense que c'est un des pistons qui s'est barré. Oula, attention. Oula, courez. Hein. Écartez-vous, les gars, Oh, on a des problèmes là, Dawson. Y'a rien qui va. Il a forcé un peu sur il a été en rêve, c'est le problème de Dawson en fait. Bon, messieurs, on peut pas éteindre le feu. C'est des petits gémissements, hein, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est bon. Pardon ? Ça s'est calmé. Je vais prendre ma boîte d'outils, je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas combien ça va coûter. Fais gaffe, ça doit être chaud, Dawson. C'est grave, docteur? Ah, c'est plutôt grave. Je pense que je peux au moins la faire démarrer pour qu'elle roule jusqu'au parking, mais il faudra venir au garage plus tard. Hein. Ouais, je viendrai plus tard, vous inquiétez pas. Écoutez,
Je passerai en fin de soirée au garage pour vous payer. Pas de soucis, faites attention à vous. Merci beaucoup Olivier. Au revoir. Dawson, t'oublieras pas de passer. T'as un bon humour toi. T'oublieras pas de passer au garage après quand même. Va pas le douiller. Bon Dawson, s'il te plaît. On en était où là? Allez. On était au masque. Donc dis-nous tout. Les masques nous serviront pour rester anonymes. D'accord. Quoi que vous voulez faire en termes d'illégal ou que vous risquez une peine de prison, faites-le en anonyme. Vraiment, personne ne peut vous retrouver. Et t'as trouvé à quoi servait le boîtier? Ouais, ah. Le boîtier il sert à désarmer des alarmes ou des sécurités ou à couper le courant dans certains endroits. Pas mal ça. Prenez chacun un masque quand vous voulez. Ça coûte 50$ les gars. Ok les gars, quelqu'un a 50$ pour moi? Eh vous moi, pouvez bien faire ça. Hein. Je peux te donner 50 si tu veux. Ouais, on a quand même deux travailleurs derrière toi. Ça c'est pas mal. Ça me rappelle un joueur de foot qui est vachement connu. j'aime beaucoup ton masque. El famoso tête de toro. Ah, une légende dans le football. Voilà. Merci Parkinson, je te les revaudrai. Bon, ok, nickel. Ok. Ok messieurs, on peut y aller. Ramène-nous à nos voitures et tu nous dis ce que t'as à nous dire. Après je dois appeler la mafia. N'oubliez pas votre ceinture, c'est important. Ouais, on l'a vu. Alors, est-ce que Johnson, tu veux les mettre au courant pour ce qu'on a fait avec la mafia? Vas-y, raconte-leur. Alors, j'ai été faire le guet pour la mafia, je sais pas si vous vous souvenez. Pour 2000$, ouais. Les commissariats, ouais. Ils m'ont donné 2000$ et ils m'ont donné autre chose aussi. Ils m'ont donné 10 pochons Louis. Ouais, pas mal. Bonne, c'était, hein. C'était un message pour vous faire comprendre qu'ils avaient accès à la drogue. Et maintenant, j'ai reçu un nouveau message. Maintenant, ils ont accès au site d'armes illégales. Donc écoutez-moi bien. Vous deux, vu que vous avez un boulot, on va éviter de vous mettre dans la merde. Je vais prendre toutes les responsabilités. On a fait 5-5 sur les pochons. On va essayer d'écouler ça le plus rapidement possible. Et surtout d'avoir des points de traitement. Donc demain, on devrait avoir beaucoup plus d'infos à ce niveau-là. Il y a la mafia qui m'a contacté. On va bientôt pouvoir avoir des armes, messieurs. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant même. Des armes illégales, si on se fait choper par les flics avec. On est suivi, les gars, on est suivi. Ok. Quel véhicule? Direction commissariat, effectivement, on est suivi, messieurs. Ok. Je vais l'emmener dans une ruelle et on va tous descendre, ok? Vas-y. Oh, c'est pas le délire! À droite, là. Vous avez pas de thunes sur vous, j'espère? Ouais, 100$. Moi, j'ai que 200$. Ouais, il va pas aller très loin avec. Ok, emmène-nous dans un parking. C'est arrêté au feu. Suis-le. Il est parti par où? Gauche. Trop tard, on l'a perdu. Les pires filatures. Il y a une voiture beaucoup plus vite que moi. C'était une rouge, non? Ouais, exactement. Ok. Ramène-nous à nos voitures. Oula. Amène-nous à nos voitures avant que ta voiture s'esquinte. Vous l'aviez déjà vu cette voiture, les gars? Non, j'avais jamais vu. En face. Oui. En face, les gars. Ta gauche. On suit dedans, au pire. Je vois pas que quelqu'un prend en photo d'attaque. Ta voiture, elle est rincée, déjà. Non. Ok, abandonne, amène-nous à nos véhicules. Ah, il a eu un accident sur moi. Vas-y, fonce. Fonce dedans. Alors, t'es tombé de ta voiture? Ah ouais. Ouais, tu peux nous dire pourquoi tu nous suivais? Attends, tu vas où là, comme ça, là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh, tu sais très bien ce qui se passe, pourquoi tu nous suivais? Tu vas devoir balancer. Et je t'ai déjà vu, toi, t'étais à la soirée il y a deux jours. Pourquoi? Ouais, t'étais à la soirée il y a deux jours. Ok. Eden, comment tu t'appelles? Ah, c'est Rico. Rico, très bien. Jameson, prends en photo s'il te plaît la voiture. Et prends en photo Rico, notre ami Rico. Plaisir. Il va devoir nous expliquer, il a beaucoup de choses à nous dire, notre ami Rico. Tu veux qu'on appelle une ambulance peut-être pour tes jambes? Y'a rien à vous dire. Ah, t'as rien à nous dire? Ah, ça va. Si, t'as quelque chose à nous dire, Rico? Non, y'a rien à vous dire. Et explique-moi pourquoi tu nous suivais, Rico. Je vous suivais pas. Ah, excuse-moi. Écoute. Ah, ma tête. Je vous suivais pas du tout. Rico, on va parler calmement, d'accord? On n'est pas là pour s'énerver. Dis-moi pourquoi tu nous suivais, Rico, s'il te plaît. Je suis pas énervé. Mais je vous suivais pas. Ok. Tu vois l'homme là-bas, là? Que je suis en train de pointer du doigt. Et? Il est journaliste. Tu vois cet homme-là? Ok. Bon, on sait pas ce qu'il est, mais tu vois cet homme là-bas? Si, je vois. Il est ambulancier. Donc là, tu commences à essayer de nous créer des problèmes. Dis-nous ce que tu veux, Rico, ça va être plus simple. Je sais pas vous créer de problèmes. Où est ton patron, Rico? De ma balader. Qui est ton patron, Rico? Mon patron. Dis-moi qui est ton patron, Rico. J'ai pas de patron. Ah, tu travailles seul? Je suis juste vignoble. Ouais, tu nous prendrais pas un petit peu pour des cons, là, Rico? Je suis vigneron. T'es vigneron, ouais. Bah, tu sais où est-ce qu'on va le mettre, ton raisin? Ah, ma caisse. Il aurait payé cher. S'il te plaît, gringo.
Non, 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 y'a pas de gringo, y'a pas de gringo, tu nous as pris un petit peu pour des cons là. Sinon, c'est sur ta gueule que je vais taper. T'as pas la voiture là, écoute. Bon, écoute Rico. Jameson, est-ce que tu l'as pris lui en photo et sa voiture? Bien sûr. J'ai fait un gros plan magnifique 4K. Hein. Écoute-moi bien. Dis-nous tout de suite ce que tu veux. N'aie pas peur. Dis-nous. Et si tu veux rien, dis-nous pourquoi tu nous suivais. Dis-nous pourquoi tu nous suivais, Rico. Mais vous suivez pas. Rico, va falloir que tu parles, Rico. Arrête de nous mentir, sinon je te promets, je te mets une droite. Rico, fais pas le con, il va le faire, Rico. Bon, ok, ok, ok. Ah, d'accord. Dis-nous. Y'a un gringo qui est venu me voir. Ouais. Et il m'a dit que vous travaillez pour la police. Ouais. Et c'est qui t'a dit ça? Un gringo avec un accent. Enfin, un peu comme le mien. Attends, t'es en train de parler d'abricot là? Je sais pas c'est qui abricot. Dis-nous son nom. Attendez. Hey. Jameson, je sais plus son prénom. Gardez sa voiture. Mais il est venu me voir. Viens avec nous, on va parler. Si. On va parler. Gardez sa voiture, Jameson. Jameson, prends quelques photos avant de l'abîmer. Bah non, cassez-la pas, ça coûte cher. Jameson, viens avec moi. Va avec lui derrière. Bah, t'iras chercher du raisin. On s'envoie un message, les gars. Essayez de remonter la voiture, on se retrouve. Rico, va falloir tout que tu balances et très rapidement. Et arrête avec tes El Gringo, mes couilles au bord de l'eau là. D'accord? Là, tu commences déjà à nous casser les couilles. Tu vas tout balancer maintenant, s'il te plaît. Mais y'a rien à balancer. Combien t'as été payé pour nous suivre? J'étais payé pour quoi? Écoute-moi bien là. Combien t'as été payé pour nous suivre? Mais il n'y a pas été payé. Va dans une petite ruelle s'il te plaît, Dawson. T'as même pas été payé pour nous suivre. Il y a juste un gringo qui m'a parlé de vous. Ah, qui m'a parlé de vous. Il m'a parlé de vous, c'est tout. Ah, parce qu'il m'a dit que vous travaillez pour la police. Attends. Allez, descends. Allez, sors de la caisse. Et c'est. Du coup, je te prends ton téléphone. GPS, pas de soucis, tu peux rien faire, ok? Pas de soucis, fais pas le con parce que sinon tu prends une droite. Yep, faire le con, arrête de bouger. Tu veux qu'il te donne mon téléphone? Non, j'ai pas besoin. Les gars, on peut pas tuer comme ça, les gars. Si on tue, il est mort. Alors, pas de soucis, les gars. Si on tue, il ne peut plus jouer avec ce personnage. Et tu vas me dire que ta caisse qui est là-bas, là, qui est complètement pétée, c'est avec 0$ que tu l'as eu? Bah non, il est là, je suis en ce moment. Ok, t'as combien sur toi niveau tune là? T'as combien sur toi? 0. Ah ouais? Je me balade jamais avec d'argent dans les poches. Ouais, pourtant tu devrais. Recule-toi un peu, Jameson. T'as combien sur ton compte à la banque? À la banque? Oui, t'as combien à la banque? Je sais plus, il me reste 2000$, je crois. Réponds-moi, t'as combien? Il me reste 2000$, j'ai tout mis dans la voiture. C'est pas la mafia. Quoi bien, on va à la banque, et je vois qu'il y a plus de 2000$, tu vas pas t'en sortir, je te le dis, ok? Ok, Rico. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la banque, tu vas retirer 2000$ pour moi et 2000$ pour mon frère, ok? Le problème, c'est que je suis pas sûr que je puisse. Non, mais me tape pas, $2000 pour chacun, ok? C'est sûr que ça pourrait vous attirer des problèmes plus à vous qu'à moi. Mais justement, ça m'intéresse les problèmes. Donc raconte qui t'a demandé de nous suivre. Dis-nous toutes tes sources immédiatement, là, tu commences à nous faire chier. Y'a personne qui m'a demandé de vous suivre. T'as dit que c'était un gringo tout à l'heure, tu prends pour un con, Vico, ça m'énerve. Attendez, laissez-moi expliquer. T'as dit mot pour mot que c'était. Là, tu me prends pour un con, on perd notre temps avec toi. Y'a un gringo à la soirée, il m'a dit ouais, y'a 3-4 frères là. Des mecs, apparemment, ils sont en famille, qui travaillent pour la police et ils cherchaient à avoir des informations. Ok, est-ce que j'ai une putain de gueule pour taffer avec la police là? Dis-moi. Regarde ma gueule, regarde-moi bien. J'en sais rien, on peut pas se fier à la gueule des gens. Ah ouais, tu crois qu'on peut se fier juste à suivre les gens? Bah, si on suit et qu'on voit qui est. C'est qui ce type qui t'a parlé? À quoi il ressemble? C'est un mec avec un accent à peu près pareil que moi. Non, mais il habillé comment, je m'en fous de. Dis-nous. Allez, tu sais très bien comment il s'appelle, à couche. Bah, c'était un mec en maillot de bain. Occupe-toi un peu, Jameson. C'était un mec en maillot de bain après. À la soirée à la villa. Ah putain, mais me pousse pas. Attends, parce que là il est en train de me décrire quelqu'un que tu connais bien. Ouais, mais il fait exprès, là il nous prend vraiment pour des cons. Tu nous prends pour des cons ou pas là? Bah non, il est en ville. La personne, est-ce qu'il est en ville? Recule Dawson s'il te plaît. Je sais pas. Tu commences à me gonfler, réponds. Son numéro. Non, là tu commences vraiment à nous gonfler là. Donc, jusqu'ici on parle calmement. Tu me tapes. Maintenant tu vas me dire c'est qui ton putain de contact? Mais c'est juste un mec que j'ai rencontré à la soirée, on a à peine parlé. Arrête, c'est pas juste un mec, et bah donne-nous son numéro de téléphone, je l'appelle devant toi. Mais il n'y a pas son numéro de téléphone. Et il me l'a pas donné. Pour des cons, Dawson, hein. Et qu'il est parti, dormir avant que je lui prenne son numéro. Ok, stop, Dawson, écoute-moi bien, Vico. Stop, Dawson, stop. Remonte dans la voiture, Dawson, s'il te plaît. C'est Rico. Viens là, Rico. Dawson, va dans la voiture, s'il te plaît.
Viens, viens, Pico. Écoute-moi bien. J'ai pas la gueule de l'emploi, d'accord? Je travaille ni avec la police, ni avec toi, ni avec tes putains de gens avec qui tu travailles, ok? Si t'es la pute ou le bras droit de je sais pas qui là, de ton El Gringo, j'en ai rien à branler. Maintenant, on va faire un truc, tu vas arrêter de nous suivre. Si j'apprends que tu suis un seul de mes frères ou n'importe qui d'autre, je te jure que tu vas passer les pires journées de ta vie. Ok. J'ai été réglo ? Pas de soucis. Tu nous cherches pas de noise, on ne cherche pas de noise. Tu fais tes bails de ton côté, on fait nos bails de nos côtés. Si, y'a pas de problème. Dis pas y'a pas de problème, j'ai pas envie de te revoir derrière dans le rétroviseur. Bah là, ça va être compliqué sans voiture. Ouais, ça va être compliqué, bah justement. Va rejoindre ta voiture à pied et puis tu vas payer la casse, ok ? Et la prochaine fois, tu regardes devant toi, au lieu d'essayer de t'échapper. Fais pas le con, Pico, on t'a à l'œil. Si. Allez, vas-y, viens, enfile. Il rentre à pied, le jeune homme. Il va récupérer sa voiture. Attends, parce que moi, c'est pas fini. Monte dans la voiture. Dawson, fais vite. On va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour à la banque, parce qu'il m'a fait perdre mon temps, quand même. Là, tu vois avec mon frère. Attends, Dawson, j'ai des petits soucis, là. Eh, Pico, qu'est-ce que tu fous, là? Sors de la voiture. Pico, qu'est-ce que tu fous, là? Sors de la voiture. Je dois attendre. Je sais pas ce qui se passe dans 4 minutes. Hop, je reçois mon salaire, hein, même dans le coma. Hein. C'est pas trop RP. Non, parce qu'il a fait, c'est pas trop RP. Hey, wake après, up. Est-ce qu'il a pas fait exprès? Qu'est-ce qui se passe? Avec ouais. Bouille. Bah non, là on est juste dans le coma, je crois. Hein. Non, on est dans le coma, mais il a pas le droit de faire ça, gros. On est 2 contre 1, il a pas le droit. Hein. Normalement, non, mais on a pas d'arme pour le menacer, par contre. Bah oui, mais bon, on est dans la voiture, il est à l'arrière, gros. Il s'installe à l'avant et il conduit. Non, mais. Bah, vois avec un admin. Bah ouais, un truc de ouf d'être aussi con, sérieusement. Vois avec un. Mais c'est pas grave, vois avec un modo, gros. On va se réveiller bah, où? Faut attendre le. Les soins? Ouais, bah ouais. Parce qu'il y a écrit temps restant, 3 minutes 26. Bah après, sinon, on va être envoyé au. Là, en vrai, c'est grosse sanction. Ouais, on est d'accord. Hein. Non, mais je crois qu'il a pas le droit. Hein. Mais parce qu'il est passé de passager à conducteur alors qu'on était juste à côté de lui. Il peut pas. Tu vois, il peut pas changer comme ça. Et en plus, il a pas les clés, c'est moi qui ai les clés. Le mec, il démarre la caisse devant moi comme ça. Non, mais c'est un. Oui, normalement, il peut pas, ouais. Et toi, t'es mort comment? T'es mort aussi dans bah, la ville? En fait, il t'a mis à terre, je suis rentré dans la voiture, je lui ai dit, j'ai une arme dans ma poche. Si tu fais le fou, je te tue. Il est sorti, il m'a mis une patate direct. Après, il m'a mis à terre, donc je lui ai recouru après. Je lui ai fait arrête, sinon je te tue. Attends, il m'a remis des patates. Monsieur B-Boy. Oui. Ensuite, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai une arme dans ma poche. On est 2 contre 1. Ah, mais Bloody, faut que t'expliques sur Discord, démute-toi. Ouais, mais j'attends qu'il. Mais non, mais démute-toi, gros, abruti, putain, il me raconte sa vie sur TS. Ah non, j'avais pas vu. Il y a vraiment abruti, hein. J'avais pas vu. Bah vas-y, réexplique. Du coup, on a eu un petit souci, là, on vient de faire une scène RP. Ouais. Donc, Bon, je vous explique un peu tout ce qui se passe depuis le début. En gros, il y a un mec qui nous a suivis, on était 4. Une mini course-poursuite, il a un accident. Donc, sa voiture est morte, donc il est blessé. On décide de le prendre avec nous et d'aller le cuisiner un petit peu. On est toujours en 2v1. Donc, je le mets côté passager dans ma voiture pour qu'on se barre. Là, je sais pas, il se retrouve côté conducteur. Donc, il a pas les clés. Donc, là, il écrase mon pote. Donc, moi, je suis dans le coma direct. Il m'a écrasé direct. Il écrase dans la voiture. Alors, normalement, avec la voiture de Bloody, tu vois. Avec la mienne, c'est ma voiture. Alors qu'il a pas les clés, il a rien normalement. Il a rien. Ensuite, je lui dis, j'ai une arme dans ma poche. Arrête de faire le con, sinon je te tue. Donc il sort de la voiture, je sors de mon côté aussi parce que j'ai réussi à rentrer dans la voiture parce que c'était dans une petite rue. Et là il met une patate directe et il se barre. Donc on est 2 dans le coma, et il a pris la voiture alors qu'il a pas les clés. Il a fait toute la scène en rigolant en fait comme un débile. Ouais non mais je suis juste en train d'inspecter avec la scène de B-Way, t'inquiète, j'étais dessus. Voilà, donc il rigole comme un débile mental en fait, il est pas sérieux. Petit souci quoi, je pense. Moi mon chat dit c'est pas RP mais après c'est vous qui êtes à même de juger tu vois. Donc. Bah de toute façon il y a les clips, vous pouvez voir, regardez le clip. C'est ridicule, hein. Oui, non, mais je suis comme ça, donc. En fait, je t'explique, je suis sur ton live et en même temps, je suis en train de te spec si tu veux, B-Boy. Ah, d'accord. Suite au dernier truc, si tu veux, en fait, si tu veux, j'ai sur le deuxième écran ton live, sur le principal ça, et sur le troisième le dev, tu vois, j'ai tout décalé. Et alors, c'est normal ou. Non, mais il va se prendre un ban de 24 heures, il va venir Discord. D'accord, ok. Je suis rassuré. Non, t'inquiète pas. Alors, les gars, moi, c'est la première fois que je suis dans le coma, les frères. Ça marche comment? Il se passe quoi? T'inquiète, il y a un MS qui est en train de t'arriver avec là.